Donc on recommence parce que j'avais pas lancé mon micro, pardon. Bonjour à tous, bienvenue dans le 75e stream de la trompette. Bonjour Marie-Dore. Voilà, hier je devais faire un stream et puis j'étais malade, j'ai de la fièvre, donc j'ai préféré me reposer. Je suis encore malade, mais bon, on va essayer de jouer quand même et on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va toujours continuer notre petit programme. Donc chauffe avec Colline, on continue d'avancer dans le volume 3 de la méthode Colline. Ensuite, le défi Arban qu'on continue. Et puis, un peu de trompette naturelle à la fin. Voilà, alors, je vais aller vous chercher la partition de la méthode Colline. Et voilà, donc c'est nouvelle section. On va regarder un peu comment ça marche. Donc c'est toujours bizarre de partir sur les faux doigtés, là, de partir réaigu comme ça. Mais du coup, évidemment, tout est très souple parce qu'on est sur des harmoniques assez hautes. Ça rejoint un peu le travail de trompette naturelle d'ailleurs. Voilà, après il reprendra, on le fera la prochaine fois. Le même exercice qu'on avait déjà fait, qui est un espèce de mix donc du premier et du deuxième, pour monter toujours au contre-mi. Donc ça c'était pour la petite chauffe, tranquille. Et maintenant on va retourner dans notre défi Arban. Alors de mémoire on en est aux variations. C'est-à-dire que comme d'habitude on va commencer par... Zut, je me trompe de touche. On va commencer par les choses un peu plus dures, puisqu'on est sur les variations, et ensuite on va reprendre au début de la méthode, avec des exercices plus faciles. Voilà. Donc, on va regarder où on en était dans le défi Arban, mais je crois que c'était ça. Voilà, il fallait faire la variation 4, donc je vais aller la chercher sur la partition. Je les connais pas par numéro les variations, donc je connais leur titre. Ah bah c'est Norma, très bien. On l'avait peut-être déjà fait d'ailleurs. Ça fait 4 pages 216. Et bah c'est parti pour Norma, elle est très belle cette variation.
Hop. Ouais, elle est très belle la variation de Norma, la variation sur Norma, donc c'est Castadiva évidemment là sur l'introduction. Merci, j'ai raté 2-3 notes, hein, j'ai à moitié de la fièvre donc c'est pas évident. Mais on fait ce qu'on peut. Ça me fait jouer en tout cas parce que là si je m'arrête même malade, la reprise va être dure. On continue. Donc le premier thème, enfin le thème et ensuite les variations.
Donc la fin, ouais, c'est mieux de passer en double. Ta, autocoté, 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 autocoté. Voilà, faut se le remettre un peu dans la tête. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Elle est très belle, celle-là. C'est une de mes préférées, les variations sur Norma. Alors du coup, on va reprendre notre petit tableau. Et on va recommencer au début. Et on va faire l'exercice 5. Donc là, s'il y a des trompettistes plus débutants, évidemment, vous allez retrouver des choses beaucoup plus faciles à jouer. Alors, 5 page 11. Tac. Et avant de continuer, je vais juste aller chercher ma bouteille d'eau. Voilà, alors, numéro 5, il est ici. Donc on est bien page 11, c'est ça. Donc des choses très simples, évidemment, toujours, hein, mais c'est un bon travail pour le centrage, la stabilité du son, etc. Donc on va travailler ça toujours à 80. Et un bon compromis, 60, c'est un peu lent. Donc c'est pas non plus idéal d'être trop lent et puis il faut pas être trop vite pour avoir le temps de tenir les notes, donc 80 c'est pas mal. C'est le micro, pardon, ça a dû vous détruire les oreilles. Et on aurait envie de terminer ré, fa, ré, do, mi, do, mais bon. Voilà, donc jouer ça plutôt fort, mezzo forte, on va dire. Hein, désolé pour le micro. Je trouve que pour la respiration, c'est pas mal de respirer toutes les quatre mesures dans ces exercices. C'est un bon équilibre. Alors après, on va aller chercher nos syncopes. C'est le 5, page 23. Désolé, je suis pas très énergique parce que je suis un peu malade. Bonjour Thierry. Donc le 5, c'est l'avant-dernier, là, le numéro est un peu effacé. On va le faire à 100 peut-être. C'est pas mal.
Donc Thierry, on est toujours dans notre défi Arban. On est dans les cinquièmes exercices de chaque leçon. Ça, c'est comme ça qu'on le travaillait toujours chez Bruno Nouvion. Donc c'est les notes piquées, bien très piquées. Et puis ce signe-là qui n'est pas un accent mais un chevron, ou comme ça en fonction de dans le sens où il est. Donc vraiment un pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Donc bien court pour les points et puis bien rebondi pour les accents. Voilà pour les petites syncopes. Après les valeurs pointées et double croche. Donc ça va être a priori le 17. Page 27, on va aller vérifier qu'on n'a pas changé de page. Donc page 26, 27. Et non, on est encore page 27, c'est une mazurka. Alors, tempo de mazurka. C'est peut-être 120, je dirais. S'il y a des spécialistes de la mazurka, c'est le moment. Dans le doute, je vais le faire à 120. J'ai le cerveau un peu endormi, donc on va refaire tout ça pour avoir un meilleur centrage. Pas mal, hein, toujours dans la construction de ces exercices de détaché chez Arban, c'est qu'il met en route les intervalles. Pour avoir fait du thé dansant, la mazurka est légèrement moins vite qu'une valse, entre 110 et 120. Voilà, bon, bah, j'avais mis à 120 pour stimuler un peu la langue. En effet, on aurait peut-être pu faire un peu plus lentement. Je me demandais justement le tempo de la mazurka. Mais en tout cas, voilà, il met en place des intervalles en détaché rapide. Papa, papa. Voilà pour commencer à travailler sur la réactivité du détaché, donc c'est pas mal construit, je trouve, toujours hein, ces exercices. Alors, après, on va aller page 39, travailler le numéro 5. Donc, je rappelle qu'on fait la pagination de la méthode originale qui est la même que la méthode IMD si vous l'avez aux éditions IMD, et sinon. Vous pouvez trouver la partition ici, la vraie, entre guillemets, la première partition de Arban. Donc numéro 5, page 39. C'est donc ici. Alors. On va reprendre 80 tranquillement. Thank you.
Voilà, donc pareil, un peu comme dans l'exercice d'avant, dans ce genre de choses, j'aime bien respirer toutes les quatre mesures, ça me paraît pas mal comme rythme de respiration. Alors après les gammes majeures, on va aller page 59. Donc là, on avance beaucoup dans les pages d'un coup. Donc parce qu'il en fait beaucoup de ces exercices du coulé, comme il dit, qui sont bien. Hop. J'ai pas la bonne méthode, alors évidemment ça va pas marcher. Voilà. Page 59. Soixante, 59. Voilà. Et c'est le numéro 5. Alors on va voir peut-être 100 ou 110 ou 120, on va voir ce qui... 100 déjà, c'est pas mal. Je travaille également cette série de liaisons à 50 à la noire avec 4 temps de repos entre... Oui, alors voilà, si on le travaille beaucoup... Hop là, pardon. Si on le travaille beaucoup plus lentement, en effet, c'est bien de faire des temps de repos parce que sinon ça va commencer à tirer. Mais c'est aussi une autre façon de le travailler, en effet. Hein, de les travailler vraiment beaucoup plus lent. Presque, voilà, comme des rondes ou, etc. Parce que je me rends compte que quand on descend l'octave, les deux doubles liés, la deuxième double, j'ai du mal à la faire sonner. Donc il faut que j'active vraiment l'air tout de suite. Voilà, donc je retravaille pour ça. Donc ça c'était pour les petites gammes, elles sont bien à travailler, hein, même pour au-delà des doigtés, également pour les centrages et tout ça. C'est pas mal. Alors, ensuite les gammes mineures, on va faire la 74, page 75. Presque. Voilà, 74, ça nous fait Fa mineur. Avec une nouvelle formule. Pas évident de respirer dans la vitesse, ouais, en effet. Ouais, alors après, ben, on pourrait les faire plus vite, mais du coup, ça les ferait en double détaché. Et c'est un autre travail, à mon avis. Donc après, ça entraîne à faire des respirations rapides, et c'est pas évident, en effet, hein. Ça, c'est vrai. Alors, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, La, Do, Do, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa. On va essayer au même tempo.
mal à être réactif instrumentalement parlant là parce que j'ai la tête complètement dans le pâté. Mais bon, c'est pas grave, je joue là parce que justement hier j'ai pas beaucoup joué comme j'étais déjà malade et c'est déjà moins bien ici donc pour garder un peu la musculature. Gamme chromatique, page 77. Page 77, c'est donc le numéro 5, si j'ai bien lu. Ouais, 5, page 77. Peut-être à 120 celui-là, pour commencer à faire bouger un peu les doigts. Ouais, c'est dommage, c'est un des reproches qu'on pourrait faire à Arban, c'est qu'il n'a pas trop exploité. Alors que dans le répertoire du cornet de l'époque, il commençait à y avoir des choses un peu mineures. C'est sûr que, on va dire que 75% du répertoire de notre instrument, c'est majeur. Parce qu'on a un instrument brillant, etc. Mais il y a quand même eu des choses mineures qui commencent à apparaître à la fin du 19e. Et au 20e, donc il aurait pu en effet écrire, développer un peu plus les gammes mineures. Donc c'est après, rien n'empêcherait de retravailler les gammes majeures en mineures, etc. Mais là, le but déjà, c'est de lire, de regarder comment il a écrit les exercices. Même si tout n'est pas complet, justement, mais que c'était une première initiative de d'écrire une méthode pour instrument à piston. Existe-t-il un cahier de gamme mineure pour trompette? Alors, j'ai jamais regardé la méthode de Patrick Faber, mais j'imagine qu'il a traité le sujet parce qu'il a fait toute une série de recueils de méthodes assez complètes sur le travail des gammes et des notes, etc. Et donc peut-être. Et puis les gammes mineures Clark, en fait, tout simplement, elles sont vraiment pas faciles, hein. Les gammes Clark, franchement, c'est assez redoutable. Donc, je sais plus si c'est la leçon 6 ou leçon 7, il y a toute une série sur les gammes mineures. Et franchement, elles sont dures et d'ailleurs, on les fait jamais. Ça pourrait être un nouvel objectif quand on aura terminé Arban, parce que je lance pas 25 défis en même temps. Mais de faire ces gammes Clark, et puis j'aimerais vraiment, là il faudra que je les achète, explorer la méthode Faber, parce que je l'ai entreaperçu, j'ai des élèves qui les avaient bossés un peu. Mais moi, j'aimerais bien les bosser parce que je crois que c'est très bien fait. Voilà, donc faudrait que j'achète la série. Alors ensuite, les triolets chromatiques, 14, page 80. Alors c'est même 14, page 81. Voilà, donc j'espère que je réponds à ta question, Thierry. Mais chaque méthode, par définition, c'est incomplet, hein. La méthode parfaite n'existant pas. Arban, en s'en rapprochant assez, parce que du moins elle est très complète, mais elle n'est pas exhaustive, hein. Il n'y a pas de méthode exhaustive, malheureusement. Donc c'est à nous de piocher et de constituer notre propre méthode personnelle. Peut-être un peu speed, parce que je ne les connais pas bien. On va faire 92, on va essayer 92 à la blanche. Ah non, ouais, c'est à 4-4, donc on va essayer de faire une logique de 4-4. J'ai regardé la vidéo de présentation de Patrick, ça a l'air très complet. Oui, bah c'est ça, il faut que je me les procure et qu'on les regarde éventuellement ensemble. Il faudrait que j'en parle à Patrick s'il avait un fichier numérique pour que je puisse les afficher ou pas, parce que si je dois scanner la méthode, ça va être un peu long. Voilà, alors c'est parti pour le 14. N'importe quoi. 4 bémols. Et on va
C'est un peu direct là, son octave dans l'aigu, mais bon, c'est un bon exercice. Voilà, comme il y avait deux possibilités, on a fait les deux. Ensuite, étude préparatoire sur le groupetto. On va faire le 5, page 94. Elles sont longues ces exercices, ça va même être page. Je sais pas combien. Ah non, c'est les plus petits exercices maintenant, c'est ça. Ok, 5, page 94. Alors, comment ça marche celui-là? Je regarde bien. On va déjà faire à 92 pour faire quelque chose de propre. Je m'étais amusé à les jouer avec les doigts indiqués, mais sans réussite. Ah oui, les doigts factices. Moi, ça. Et pourtant, je suis un grand adepte des doigts factices, mais alors les trucs de là comme ça, là, dans les trucs de Armand, je trouve que ça embrouille plus qu'autre chose. Mais bon, c'était peut-être pour expliquer aussi le principe du doigt factice. Mais après, dans les morceaux, je vais utiliser parfois, mais dans les trucs très répétitifs comme ça, je trouve que c'est plus compliqué en fait. En effet. Celui-là, je le connais vraiment pas bien, donc on va le refaire parce que vraiment je le connais pas bien celui-là. J'ai essayé de le faire un peu, alors j'ai pas fait les mi comme ça, mais j'ai fait les la comme ça. Bon, là ça marchait donc, toujours dans ces exercices, faire ressortir un peu la note piquée. Et puis, alors là, il y a un petit truc qui est pas logique. Autant je comprends quand on a pour faire le bécard, mais quand on a ça fait un peu redite sur la même note, donc ça embrouille un peu. Il est pas très cohérent là cet exercice. Au niveau de la formule. Mais bon, on l'a fait. Ensuite, le 28, page 100 du groupetto. Oula, ça va me mettre plus que page 100, je pense. Ouais, 28, page 101. Ce qui sont assez longs, ces exercices de groupetto. Hop, et ben c'est parti. Thank you.
beau celui-là. Tu vas juste refaire une phrase? De la note. Il est très joli celui-là. Je viens de vérifier le précédent exercice sur l'édition IMD. Hein. Ah, mais c'est pour ça, voilà, que c'est pas naturel. Voilà, là c'est beaucoup plus logique. Donc c'est des petites erreurs, évidemment. C'était la première édition. Et moi j'avoue que je ne l'ai plus, l'édition IMD. Il y a un élève qui me l'avait embarqué il y a longtemps. Et donc je ne l'ai plus. Alors je vais nous mettre un petit marque-page. Voilà, on va pas aller plus loin dans Arbon parce que je suis un peu malade. Donc ça sert à rien de faire n'importe quoi. Et on va terminer un peu avec d'Auvernais. Donc je vais aller vous chercher la partition. On en était dans les exercices du début. Donc c'est sur la trompette naturelle. Je rappelle que je ne suis pas spécialiste du tout de trompette naturelle, mais que bah, c'est un moyen aussi de me motiver pour apprendre un peu à en jouer avec vous si ça vous intéresse. Et puis c'est l'occasion de parler un peu de cet instrument. Donc toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, c'est des exercices qui sont certes très simples, mais du coup également très intéressants à travailler, même à la trompette moderne, hein, pour faire des choses un peu basiques. Et bien faite. Alors, je vais aller prendre ma trompette naturelle. Je vais aller prendre ma trompette naturelle et c'est parti. Alors, faut que je me rappelle du do. Voilà, ça c'est un do. Faut que je me recule parce que l'instrument est très grand. Et on va reprendre sur cet exercice-là. On les faisait tous à 80 pour l'instant. Parce que c'était moderato. Voilà, bah, ça ressemble, en fait, c'est vraiment la tessiture de la cavalo, là, cette méthode d'Auvernais. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à la trompette de cavalerie, en effet, les exercices. J'ai l'impression, je ne sais pas, hein, je ne la connais pas cette méthode et on va l'explorer justement, mais contrairement au répertoire 17e qui était vraiment dans la tessiture clarino qui montait contre ud, contre ré, contre mi, pour l'instant cette méthode elle ne va pas au-dessus du sol aigu. Bon, on va voir jusqu'où ça va, mais j'ai l'impression qu'au début du 19e siècle on jouait plus la tessiture très haute, Jean-Sébastien Bach, Brandebourgeois, tout ça, mais et puis c'est aussi lié à l'enjeu sociétal, hein. On est là sous l'Empire et donc la trompette c'est un instrument militaire qui sert à la glorification militaire du régime à l'époque. Donc il y a sûrement des liens avec tout ça. Mais en tout cas, bah, si vous avez en effet des clairons ou des trompettes de cavalerie, bah, c'est l'occasion de travailler ça avec votre clairon ou votre trompette de cavalerie, hein. C'est possible. On sera pas forcément dans la même tonalité, hein, néanmoins. Alors on va continuer un peu les petits exercices suivants là.
Donc là, clairement, pour le centrage, c'est vraiment pas facile. Faut plus de pression. Alors, à la fois oui et non, j'ai l'impression, alors je te parle de mon ressenti, hein, parce que je répète que je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, faut souffler vraiment plus loin, parce que l'instrument est littéralement deux fois plus long. Donc pour que l'air fasse le tour de l'instrument, il faut vraiment souffler, aller creuser là dans le diaphragme. Et après, pour le détacher, il faut détacher beaucoup plus doux, quoi. Faut pas. Je balance pas de la pression comme dans une piccolo ou sur de la trompette en luth, sinon le son il déraille complètement. Déjà que c'est difficile à stabiliser. Donc c'est pas forcément la pression, mais c'est la longueur du souffle, je dirais, en tout cas pour moi. Allez, on fait en tout cas ces deux suivants et on va voir ensuite ce qu'on fait. Comme l'instrument est une octave plus bas, quand on fait le sol aigu, c'est pas du tout la même chose que faire un sol aigu sur une trompette à piston. C'est presque plus proche, on va dire, du contre-mi ou du contrut que d'un sol aigu, hein, au niveau du ressenti en tout cas. Hein. Allez, on continue un peu ces petits exercices. S'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis vraiment un peu malade, mais donc je vais essayer de continuer à faire des streams. Ils seront peut-être un peu plus courts que d'habitude. Ouais, je pense les notes dans la tonalité de l'instrument parce que quand j'étais petit, j'ai l'oreille absolue et quand j'ai commencé la trompette, ça m'a vrillé le cerveau. Je comprenais pas pourquoi je jouais un do, j'entendais un si bémol, etc. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai compris qu'il fallait décaler mon oreille sinon c'était pas possible. Surtout après sur les trompettes en la, en mi, etc., ça rend fou. Donc là, je pense do, même si c'est un ré dans la tonalité de l'instrument et que c'est un do dièse qui sort de l'instrument. Il y a écrit un do, je pense un do, hein, sinon on ne sait plus comment on s'appelle.
Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets les informations sur ma page Facebook pour savoir quand sont les dates des streams. Vous avez ma page YouTube aussi, vous pouvez retrouver les replays des différents streams. Donc merci à vous d'être toujours là pour poursuivre ce stream et je vous dis à bientôt.